Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty World War 2 sur la map Grunstone House. Donc avant de vous présenter ce glitch, je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34 qui m'aide à réaliser cette vidéo. Sa chaîne sera en description, n'hésitez pas à aller checker si vous ne le connaissez pas encore. Alors ce glitch va vous permettre d'avoir des boîtes en illimité, donc des boîtes magiques en illimité. Et être invincible, c'est un peel-up AFK comme vous pouvez le voir en face de moi. Tous les zombies sont en train de peel-up et bien sûr ils ne nous touchent pas. Donc ce glitch est réalisable uniquement à deux. Ce glitch est un peu plus pour le fun de tester toutes les armes. Enfin voilà, c'est il y a mieux comme glitch, mais voilà, c'est un bon petit glitch que je voulais vous présenter. Donc voilà, alors c'est très très simple comme glitch. Donc là vous pouvez voir, regardez, je vais faire une boîte. Donc, là l'arme est en train de sortir. Voilà, j'ai pris là, je prends la MP. Et regardez, voilà, je peux tirer à travers mon allié, il n'y a pas de problème. Je touche bien les zombies, je les tue bien. Alors là, je refais une boîte pour vous montrer que ça marche bien. Donc, faut savoir que pour obtenir la boîte magique, il faut faire des étapes tirées dans des lanternes qui se trouvent dans la map. Donc, je vous mettrai un tuto dans la description. Et aussi, je vous mettrai un tuto aussi pour améliorer, je crois que les deux sont en un, pour améliorer le pack-a-punch. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne savez pas comment faire pour améliorer la boîte pour l'avoir en pack-a-punch et avoir la boîte magique tout simplement. Alors regardez, je peux tuer tous les zombies autant que je veux. Donc là j'ai passé la manche, donc c'est pas grave, je vais vite vous montrer comment faut faire. En fait il y a une personne qui se met accroupie, l'autre personne soit vient par la gauche ou par la droite. Et en fait le but c'est de foncer dans la personne et puis de s'accroupir tout simplement. Et là je pense même que même si je suis à côté, je pense même que là je vais être invincible. Donc regardez, c'est vraiment tout simple hein. Donc on va voir. Voilà, je suis invincible, c'est super facile comme glitch. Vous avez vu, je l'ai fait en 2 secondes. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit glitch vous aura plu. Donc bien sûr, n'hésitez pas à utiliser l'arme, le spécialiste munitions illimitées. Bien sûr, gardez votre pistolet M1911. Comme ça, vous avez des Gendals en illimité à chaque fois que vous remplissez votre spécialiste. Donc franchement, vous pouvez faire facilement les 50 manches, autant de manches que vous voulez, faire un maximum de points, de kills, etc. Donc après, vous pouvez varier avec votre classe. Hein. Choisissez une classe que vous préférez, que vous songez plus utile. Moi, je ne vais pas vous présenter des classes car je vous en ai déjà présenté dans des vidéos précédentes, donc voilà, je vais pas me répéter à chaque fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner surtout. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace.